reborn. Chaos reborn. Ha! Wow! Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Suban. Je vais vous un gars là, un homme qui dit que lui, il est Jésus-Christ. Le Jésus-Christ que nous attendons tous ici, sérieux? Mais tu es là, puis tu m'as pas dit, moi qui parle de toi chaque jour là, tu m'as même pas informé que tu es là quelque part, mais ne vous inquiétez pas, apparemment il a oublié qu'il n'est. Venez, allons voir ça tout de suite, allons voir ça. Tchi, ouais, Jesus Christ, regardez, le monsieur prétend être celui-là que nous attendons tous, ouais, Jesus Christ, Jésus. Oh. Il dit, ne regardez pas à ma peau noire. Ne regardez pas à ça. Dieu m'a envoyé ici sur la terre pour accomplir une mission. Il va nous dire sa mission tout à l'heure. Vous serez surpris de chez surpris. Ouais, Jésus-Christ, la lumière, est ici. Oh. Est-ce que c'est de la blague? Je pense que nous devons l'écouter d'abord, non? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Ok, c'est parti. Il est ici. Il est ici. Et il s'appelle Adam. On peut faire ça? Vous avez plutôt Adam, c'est Ouadougou, le Messie promis. Il est tu? Burkina Faso. À cette époque, c'est moi-même, Ouadougou Adama. Le Christ à la peau noire que vous avez devant vous, que Dieu a suscité pour accomplir la seconde venue de Jésus-Christ. Je suis le Jésus qui doit venir si vous voulez le comprendre. Comme il est écrit dans le cantique de Salomon, je suis noir. Mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ici, un serment est donné au peuple de Jérusalem dans un accent poétique pour les avertir. Je suis donc venu dans l'esprit et la puissance de Jésus le Messie. Telle est la volonté du Créateur des cieux et de la terre. Et ceci est uniquement pour votre bien. J'exhorte les autorités, les dirigeants, le président du Faso et tous les citoyens à se soumettre au décret divin. À cette époque, il exhorte tout le monde à se soumettre au décret divin, c'est-à-dire la décision ultime de Dieu. Non, moi, ce qui me fait mal, c'est que pourquoi Jésus-Christ vient, il est venu, puis moi, il ne m'a pas informé aussi. Moi qui parle de lui matin, midi et soir, ah, c'est pas quoi on fait, non? C'est pas quoi? Qu'est-ce qu'il aura désiré? Ah! Non, ouais. C'est ça, si les gens sont chauds. Hein. Les gens sont vraiment très chauds. Très chauds. Hier, dans cette vidéo qui va apparaître à la fin de cette vidéo ici, nous avons vu Marabout du Sénégal dit que lui, il est prêt à diviser la mer en 7 afin de le laisser passer tout le monde. Avec qu'on aille tous en Europe où on veut et il va aider les gens à sortir de tous leurs problèmes. Mais aujourd'hui, moi, je tombe sur cette situation, sur cette affaire où on voit cet homme nous dit que il est vraiment celui que nous attendons tous, le Jésus-Christ. Et nous devons nous soumettre à cette décision ultime. Elle est irrévocable. Ouais. Et ce sont des Africains. Ouais, l'Africain, vous êtes fort. Vous êtes des durs, gars. Vous êtes des durs. Ouais, ce monsieur,
C'est du. Tiens. Oga, tu t'es où? Que Dieu t'a parlé là? Tu t'es où? Et qu'elle est venue te parler là? Il t'a pas dit quelque chose pour moi? Dis-moi, moi je veux savoir, moi je suis curieux. Je veux savoir si c'est vraiment Jésus, nous tous on est sauvés, ou bien nous tous on est sauvés. Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup. Les gens ne font que parler. Alors que tout se trouve dans la démonstration. Si tu es Jésus-Christ, si tu es réellement Jésus-Christ, je pense que tu as le pouvoir aussi de chasser les maladies, de chasser les démons, de chasser aussi la galère, parce que moi je suis en galère. Donc viens chasser la galère là chez moi d'abord. Là, on va voir clair dans ça. Ou bien. Oui. Elle dit, il ne faut plus parler beaucoup, quoi. On n'a plus besoin de trop parler. Tout va se passer dans la démonstration. On va dire, ok, il n'y a pas de souci. Voici, oh, à la morgue ici, voici 10 nouveaux corps. Afin que tu ressuscites toutes ces personnes qui viennent de mourir, là. Pardon, il faut ressusciter toutes ces personnes-là. Là, tu vas mettre la joie dans le cœur de toute sa famille. Ok. Action. Et puis, on t'attend, non? Mais bien sûr que oui. Là, nous, on va voir si c'est vraiment Jésus. Il faut qu'il y ait quelque chose pour prouver ça. Maintenant, quelqu'un m'a dit, oh, vous êtes trop des Thomas, vous ne croyez jamais. On dit, c'est Jésus, vous ne croyez pas. On dit, c'est Jésus, qu'elle, vous n'y croyez pas. Non, c'est pas qu'on ne croit pas, mais nous, on est là aussi, on veut voir clair. Comme tu dis que tu es Jésus, et que peut-être c'est toi la personne que tu es, bon, en fait, tu es Jésus incarné, et c'est toi que Dieu a choisi pour venir, c'est bien. C'est une bonne nouvelle, moi, je crois. Mais comme il y a beaucoup d'histoires ici aussi, je pense que tu dois commencer à travailler en même temps. Hein? On n'a pas besoin que le président reconnaisse que toi tu es Jésus ou quoi que ce soit. Jésus a qu'à quoi ouais, le président. Lui-même a dit donner à César ce qu'il y a à César et puis à Dieu ce qu'il y a à Dieu. On n'a rien à voir le président ici. Sans nous ici, là, nous les galères. Là. Viens ici. On a trop de problèmes. Viens nous aider à sortir de nos histoires, de nos problèmes. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas besoin même de passer à la télévision mais pour nous parler beaucoup. Jésus-Christ ne parlait pas beaucoup. Quel temps il a pour parler beaucoup? Nous sommes des milliers ici sur la terre avec nos problèmes. Pardon, mon gars. Pardon, mon frère. Adama, viens. Viens, tu vas nous prouver que tu es Jésus. Par A plus B, sur le terrain. Rends ton fonction en même temps. Commence à jobber. Commence à jobber. Tu as trop de boulot pour toi, Jésus. Tu as trop de boulot. Les gens te cherchent dans les églises depuis très longtemps. Ils vont dormir. Souvent, ils font 10 jours de jeûne. Ils te cherchent. Tu n'es pas là. On dit, comme tu es ici, là, ça tombe bien. Ok. On dit, Jésus-Christ, c'est tout au Burkina Faso. Mais frère, vous n'êtes pas prêt à y aller? Vous n'avez pas lui dit bonjour? Hey! Si Dieu n'avait pas parlé ça, on aurait pensé que c'est de la blague. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. On dit que dans les dernières temps, les gens finissent se faire passer pour Jésus-Christ. En tout cas, moi, je vais vous dire pour terminer cette vidéo rapidement. Parce qu'il y a d'autres choses à faire. À part pas de temps dessus. Mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Le Jésus qui revient, ou celui-là qui va revenir, là. Quand il va revenir comme un voleur. C'est-à-dire, il va pas appeler les gens pour venir dire, venez, c'est moi Jésus, je suis ici, venez me filmer, hein, monter sur tout le monde et appeler le président aussi. Non, hein? Le Jésus qui revient là, c'est pas un gars calme, hein? C'est pas un gars calme, hein? Le Jésus qui va revenir là, c'est pas un gars genre calme, timide. Ou bien comme celui-là, le premier Jésus que vous avez connu. Hein. Celui qui revient là, c'est le lion. Allez lire le livre de l'Apocalypse. Comment Jean a vu ce Jésus-là, puis il était même dépassé.
Lui, il voulait un peu de leçon, mais il voulait me disparaître. Il voulait me pisser sur lui. Je vous parle de quelque chose. Aujourd'hui, quand il pleut fortement, puis il y a des tonnerres, des éclairs, boum, tiens, tout le monde est là. Tiens, c'est quoi? Il y a quoi? Qui vient nous tuer ici? Parce que les gens ont peur. C'est ce Jésus-là qui arrive. Le Jésus qui revient, ce n'est pas un Jésus timide. C'est le lion. C'est un lion qui arrive. Un lion tanzéré. Ce n'est pas le lion à la famille que vous voyez dans la bourse. Hein? Non, hein? Donc, faites attention, mes frères et sœurs. Faites grave attention. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon papier, vraiment manquer, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez propres au Seigneur.